Yo tout le monde, c'est Mickaël Samouraï et on se retrouve aujourd'hui sur One Piece Burning Blood pour le premier let's play de la deuxième partie. Et on s'est arrêté juste ici. Donc on avait fait qu'un épisode. Donc maintenant on va faire ça, Rhino Fortuit Antagonisme. Alors je tiens à vous dire que j'ai eu un problème avec mon ordinateur. C'est que j'avais enregistré 2-3 parties, enfin 2 parties j'avais enregistré. Et elles se sont supprimées parce que j'ai dû libérer de l'espace, donc du coup je dois tout recommencer. Donc du coup j'étais sur un autre compte, donc voilà. Mais bon, de toute façon j'avais pas avancé trop loin, donc ça va. Donc c'est parti, donc avant, on va commencer alors par ça. J'ai eu un chapitre bonus, donc les capitaines corsaires ont dû à Luffy fonce vers l'échafaud, mais Gecko Moria lui barre la route. Jimbe fait face au maître des ombres. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Et puis ensuite on fera l'autre truc. Gecko Moria. Moi ce personnage je l'aime pas. Enfin j'aime pas trop ce personnage. Gecko Moria. Donc les Captain Corsair en duel. L'embrassement activé guerre 2, ce qui te rend. Ah, bref. Ah, donc on se bat direct. Ok. Putain, il est grand, hein. Ouais, attends deux secondes. Voilà. Ah ouais, le chapitre bonus. Ah, j'ai Jimbe avec. Ouh, et il fait mal, Gecko Moria. Il fait très mal. Ouh. Magnifique. Aïe. Ouh, je l'ai fait de ces trucs. On va prendre Jimbe et on va faire attaque ultime. Allez, c'est parti. Le quartier aquatique, là c'est la forme la plus pure. Ah oh, putain, il apparaît. Oh là là. Ouh. Ah ça c'était magnifique. Excellent. Suivant, attendez. Je vais sauvegarder le replay. Donc voilà. Suivant. Nouveau personnage, Jimbe. Les personnages on the level up, hein. J'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Donc maintenant on va faire sa réunion fortuite antagonisme. De grands noms de pirates et de la marine se battent, mais aussi quelqu'un que lien est étrange uni à Luffy. C'est parti. C'est marrant qu'elle montre le passé comme ça, enfin, quand on lance l'épisode. Ah, voilà. Smoker. Ça fait un peu comme l'épisode, prochain épisode. Du genre. C'est stylé.
Smoker. Moi j'aime bien Smoker, moi. C'est parti. Effectuer un texte spécial. Ah non, encore au tutoriel, ça va. Je sais comment ça marche. Hein. Je sais comment ça marche. Je l'ai pas dit, mais j'ai testé le. J'ai un petit peu joué de mon côté en mode versus. Voir un petit peu plus le gameplay, comment il était. Et franchement, question gameplay. Le jeu est magnifique. Il y a beaucoup de choses. On peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut faire des styles de combo en appuyant sur un carré. Franchement, il y a plusieurs choses. On peut briser la guerre. On peut faire vraiment pas mal de choses. Les attaques ultimes qui déchirent. J'ai testé le mode prime aussi qui est vraiment. Franchement, question gameplay. C'est vraiment super, hein. Il y a beaucoup de choses. Je parle, mais j'ai pas fait attention à ce qu'il était mis en fait. Attendez, hein. Ok, Gangnam Bazooka, ok, spécial plus garde. Ok. Voilà. Ah non, c'est pas ça. C'est comme ça. Voilà. Putain, ça a commencé. C'est mon gars. Ah voilà. Ok. La jauge en bas à gauche est ta jauge d'embrassement. Bah oui, ça je le sais très bien. Je connais, j'ai testé. Donc hop. Alors ça me fait penser à Justin Victory. Attendez. Ouais, ça me fait penser à Justin Victory. C'est exactement la même chose. L'embrassement renforce ton personnage, appuie sur R3. Ok, ok. Je dis pas question du gameplay, mais question voilà quand on fait une attaque ultime. Ouh voilà, il se l'est pris. Il y en a autour pour dire quoi. Magnifique. Un coq. Sonata, Kadaraz Ikite Kokoe Kurto Shinji Teota. Koreho, Ani no Tejo no Kamija. Vas-y Luffy, dépêche-toi. Un coq qui veut. Tu tombes sous le charme. Non, tu passeras pas. C'est mon mari. Touche pas mon Luffy. Ok, donc on a fini cette mission. Bangkok donne à Luffy la clé pour libérer Ace, mais Mihawk qui gagne du faucon se dresse sur son chemin. Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on le fait dans une prochaine vidéo? On va le faire, on va le faire. C'est parti. <笑>戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまた
ジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。Gare au sabre noir. Voici Mihawk. Ah, ce personnage, j'aime bien Mihawk. Le maître de Zoro.J'ai pas le temps d'affronter ce type, tu m'étonnes. On doit sauver Ace, hein, Luffy. Allez, c'est parti. Encore sur le tutoriel, putain. Il existe 200 de personnages de soutien, ceux qui s'activent automatiquement. Ah oui, le personnage de soutien. Est-ce que j'ai testé ça aussi? Alors, oui. Putain.C'est les colmio qui a. Parce que Mihawk fait des attaques à distance, il fait mal. Voilà, vas-y, attaque. Hein. Voilà, oh la belle esquive. C'est magnifique. Pour faire les esquives, je rappelle qu'il faut faire la garde. Donc la garde, c'est appuyé sur rond. Avec le joystick, vous faites une esquive comme ça. Enfin, bon, là, j'ai raté.Mais voilà, vous avez compris le truc. Allez. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on se met en mode éveil comme ça, un peu comme Naruto. Jusqu'à Victory, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et comme ça, ça fait très mal. Ouh. Et on va le finir avec une attaque item.Ouh, elle est pas passée. Oh putain. Hop, j'active. Ah. Alors, c'est bien parce qu'il y a plusieurs combos. Parce que quand j'appuie sur R1, il y a Luffy qui active son. Alors là, il a pas le haki. Hein. Je sais pas, son coup du démon, je crois. Ici. Et ça fait des attaques différentes.On va le finir. Voilà, je brise ta gueule. Alors, je vais. Voilà. Pas de recul ni d'attendissement. Ok. Et voilà. Un petit coup de poing qui passe bien.Maggie. Comme il se fait couper. Mon rire. Ok.Et ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, ben vous pouvez mettre un like. Alors la prochaine fois, ben on commencera par cet épisode de Maggie. Et puis ensuite, on fera ça. Donc voilà. Donc et ben n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, arigato.